Ah, ici là, on est calé, c'est le jazz du château. Hein. Ah, on envoie un sujet, on dit, ah, est-ce que c'est bon de travailler dans la même entreprise que sa mousseau? Ah, que sa femme? Ouattarabou, Côte d'Ivoire. Ah, ici là, on est calé, c'est le jazz du château. Hein. Ah, on envoie un sujet, on dit, ah, est-ce que c'est bon de travailler dans la même entreprise que sa mousseau? Ah, que sa femme? Tiens, moi, je suis partant pour deux options. Hein. La première option, je suis pour, parce que là, ah, si tu as tombé sur la bonne chie, ah, vous avez commencé mollo, mollo, petit à petit, vous avez fait ensemble, c'est bon. Là, quand là, elle pourra te donner les idées et tu pourras mettre ça en pratique. Au cas où, la deuxième option, ah, tu as monté ton entreprise, tu es allé prendre une go que toi-même tu ne connais pas. Ah, vous êtes marié 2 jours, 3 jours, tu la prends. Bon, comme tu es trop franc, tu as la déposer comme directrice. C'est là que tu as l'île là. Donc là, des deux cas, c'est bon. Mais quand tu es garçon là, la place de la femme, c'est la kitchen. Donc là, c'est la cuisine, non. Le garçon va gérer l'entreprise. Bonjour, moi je me nomme Taki. Selon moi aussi, moi selon ma logique, hein, je ne trouve pas que c'est normal de travailler dans la même entreprise avec sa femme. Parce que selon moi, mélanger la vie de couple avec le travail, bon, selon moi, ça serait un mélange quoi, tu vois, non? Et là, travailler dans une entreprise avec sa femme. Même si la femme est entreprenante. Hmm? Voilà. Les trucs d'émotion, c'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer. Voilà, même si la femme est entreprenante. Tu vois, non? Donc, vous deux, genre, bon, selon moi, la logique, non. Bon, concernant votre question, moi, mon point de vue, en tout cas, c'est pas agréable de travailler dans une même entreprise avec sa femme. Parce que dans ton lieu de travail, souvent, tu peux avoir un malentendu, soit avec l'un de tes clients. Tu vois un peu, ce dernier, tu connais pas son tempérament, il peut se mettre à te parler comme il veut. Bon, devant la femme, c'est pas joli à voir. C'est genre comme un accident de travail. Or, en l'absence de la femme, c'est des choses, ça peut passer. Mais devant ta femme, on peut t'humilier, t'insulter pour un malentendu, tu vois un peu, sur ton lieu de travail. Non, ça fait partie du travail. Mais au fait, l'homme doit toujours garder son honneur, sa dignité en présence de sa femme. Tu vois un peu. Voilà. Le travail, c'est le travail. La vie de couple, moi, je pense que c'est à la maison, dans le foyer. C'est comme ça qu'on gère ça. Et s'il arrive que c'est une entreprise de l'État? Bon, si c'est un concours, par exemple, un concours de CAFOP, et le seul à passer le concours de CAFOP, vous devez être enseignant. Non, si c'est ça, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs cas ici, on voit des gens qui travaillent à la fonction publique dans le même domaine, dans le domaine de la médecine, de l'enseignement. À ce niveau, il n'y a pas. Mais moi, je parle du gens, pour ceux qui exercent une fonction libérale, là, ce n'est pas normal. Mais par rapport à la fonction publique, je trouve ça tout à fait normal. Voilà. J'ai mis ça, je suis culturée à Bengou. En tout cas, moi, je vois que c'est pas bon de travailler avec ton mari, par exemple, si c'est prêt à porter qu'il vend là. Si après, les filles, ils s'en vont acheter à Bila à cause de le monsieur. Maintenant, quand il vient que non, que sa femme est là, elles vont se sentir gênées d'une manière. Elles ne peuvent pas acheter ce qu'elles veulent. Elles ne peuvent pas même pas. Elles ne vont pas acheter même parce qu'elles voient que madame est là. Alors que si il est seul là, ils vont acheter ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, je vois que c'est pas trop bon de travailler avec ton mari. Si le mari est un PDG d'entreprise, qui veut faire de sa femme une directrice? Si c'est PDG, oui, je suis d'accord. Plus que non, oui, on peut travailler ensemble. Là, on peut, même femme, c'est femme même qui fait que l'un peut venir dans tout ça beaucoup, mais elle peut beaucoup donner des idées, ma monsieur. Mais en tout cas, c'est que moi, c'est pas d'aborder la connerie. Je vois que non, c'est pas trop bon. C'est la prendre des avis là-bas. Non, je vois que c'est pas bon. Ça va pas prendre.
Mm-hmm. Bah, la femme, elle est beaucoup jolie. Elle est beaucoup, comment on appelle ça même, jalouse. Bah, y a une fille qui est venue comme ça, elle va se déshabiller. Mais il y a les filles de maintenant, quand elles sont habillées, mais elle laisse les habits la même tomber. Puis elle fait semblant même. Mais si toi, tu es là, ton cœur te fait mal, tu as réagi, et puis elle va appeler, acheter, elle va partir. En tout cas, moi, je vois que ce côté-là, bravo. J'ai dit bonsoir à mon mari, la mine Sandogo. Il lui dit plein de bisous et à toutes mes camarades à Bengou. Merci. Bon, chez moi, il peut dire oui. Pourquoi? Peut-être que je peux créer mon entreprise et même ma femme comme mon assistance personnelle pour que tout le bien reste. Est-ce que c'est pas une manière de la préserver? Non. C'est pas une manière de la préserver. Non. C'est pour le bien de notre famille. Est-ce qu'on ne le souhaite pas ici un jour l'entreprise arrive à faire faillite? Bon, on se dit bon. On se dit oui un peu. Hein, pour manger. Pas fait ça. Bon, on crée un peu de trucs pour la femme, pour qu'elle se débrouille, pour nous nourrir. Le nom c'était quoi? Le nom c'est Jean Martial. Comment ça fait quoi? Hein? Jean Martial fait quoi? Comment tu dis? Bon, je suis un gérant de jeux vidéo. En même temps tu tresses. Bon, on peut dire ça aussi. Ah, il me débrouille pas mal. Ah, tu es un peu polyvalent quoi. Ouais. Tu tresses, jeux vidéo. Ouais. Tu habilles. Ouais. Tu fais tout. Hein? Ouais. Et si tu viens gérer madame, ça fait quoi? Ça fait rien. Elle sera un truc à mon côté. Pour m'aider. Moi, particulièrement, je dirais que ça a deux volets, en fait. Du genre, tu peux travailler avec ta femme dans la même entreprise dans le cas où la femme, elle est d'abord mature, en fait. Tu vois, si la femme en question n'est pas mature, qu'elle est... en train de se promener à tout va dans les bras de n'importe quelle personne, tu vois que là, arrivé un moment là, il y aura des disputes qui va peut-être entraîner la baisse des chiffres d'affaires au fait. Maintenant, si ça arrive que tu es avec une femme qui est vraiment posée, qui a la même vision que toi, je pense que ton entreprise va croître. Ça va générer beaucoup de sous au fait. Donc c'est là ma réponse. Donc supposons que tu es avec la femme, elle a la même vision que toi, vous travaillez dans la même entreprise, et sans le souhaiter, l'entreprise fait faillite. Bon, je pense qu'on dit non que la femme est un soutien pour l'homme en fait. Si la femme est un soutien pour l'homme, dans ces moments difficiles là, c'est là qu'on voit l'importance de la femme. Elle doit pouvoir soutenir son homme. Tu vois un peu? Moi c'est ce qu'ils voient en tout cas.